Bonjour à tous et à toutes, ici Amido The Gamer du 76, on se retrouve sur Nanatsu no Taizai Talk 7 Deadly Sins Grand Cross version globale. Tout d'abord, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de faire un max de pouces bleus pour améliorer le référencement de la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater la moindre vidéo qui sort sur la chaîne ainsi que les lives exclusivement faits sur YouTube bien sûr. Dans l'espace des commentaires, vous pourrez poser vos questions, donner votre avis personnel et apporter votre soutien à la chaîne. Donc il y a une vidéo du patch note qui est ce matin qui est sortie sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. Moi je voulais faire une petite vidéo un petit peu pour récapituler tout ce qui est sorti hein, parce que c'était vraiment le patch note du site, mais là je voudrais vous montrer en vidéo les nouveautés qu'il y a. Alors tout d'abord, le plus important, nous avons la nouvelle Diane qui est une Diane verte qui est quand même pas mal intéressante puisque toutes ses attaques sont basées sur du AOE. Sa première attaque est seulement des attaques basiques, mais AOE, ça va jusqu'à 375%. Pas très important quand même, mais ça fait quand même le taf. Sa deuxième compétence qui est plus intéressante à partir de la deuxième étoile, nullifie les postures. Donc voilà, donc ça c'est quand même très très intéressant. Hein, voilà, face à des boss, hein. Donc là on a eu le King, on a eu le Gozer, et là on a la Berline. Donc ça, ça peut être très 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 intéressante. Donc on verra pour le prochain boss qu'on va avoir. Sachez que nous attaquons la sixième semaine de la bannière du fameux Escanor rouge. Et il ne reste plus qu'encore 3 semaines avec cette semaine-là pour les voir arriver dans le Quan Shop, puisque ce sont des personnages Quan Shop. Bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu, hein. J'ai fait une rotation complète. J'ai rempli un petit peu la jauge, je n'ai toujours pas eu le personnage, donc toujours galère. Et c'est vrai que là sur le PVP je commence un petit peu à galérer à battre contre des scanners rouges aussi hein, parce que même le scanner vert fait quand même très très mal à la base, mais là le rouge il est vraiment super casse-couille et on tombe toujours sur des teams Gozer, Arthur, rouge et scanner rouge tout simplement. Voilà, alors en event, on a l'événement de croissance que j'ai terminé. Hein. Donc les deux combats que vous allez faire là, ce sera des équipes prédéfinies par le jeu. Je crois qu'il y a Marmas, je sais plus qu'est-ce qu'il y a, je crois qu'il y a Geek Thunder, et je sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans aussi. Et la dernière là, c'est votre équipe, qu'est-ce que vous voulez. Vous avez 2 médaillons SSR à récupérer, et 3 médaillons SSR. Et là, c'est un tome, une potion d'amélioration et potion d'amélioration aussi. Et je sais pas où il y a des tomes. Il me semble qu'il y avait des tomes, mais je sais pas où ils sont. Donc voilà, voilà. Vous avez toujours le boss de Merlin à faire. Hein. Vous avez encore 6 jours pour le terminer hein, avant qu'il se termine. Butin amélioré. Donc vous avez toujours l'activité où vous pouvez récupérer des tickets et aller à la boutique d'échange, mais la boutique n'apparaît plus, donc il va falloir que vous alliez là pour y accéder, puisqu'avant y accéder sur la queue principale, il faut aller là pour la récupérer, puisque maintenant vous avez une nouvelle boutique d'échange. Là en fait ça consiste à échanger par exemple 2 cornes pour avoir des ailes gris, ou alors voilà, les oreilles Olex, ou alors des cornes, hein, ça dépend des ressources que vous cherchez, voilà. Vous pouvez faire des échanges pour avoir tel truc. Voilà. Moi, personnellement, moi, j'en ai pas besoin parce que franchement, ça se forme assez facilement. D'ailleurs, en parlant des combats de boss, le taux a été augmenté. Voilà, augmentation du taux d'affrontement. En 3 combats, j'ai réussi à avoir 100% pour affronter le démon. Voilà, donc ça va être très, très utile. Et il y a une réduction de la stamina, en utilisation de la stamina, pour affronter justement, pour faire de l'affrontement. Voilà, donc ça peut être très très intéressant. Le boss final, donc ça c'est la Merline. Vous avez un nouvel battle event qui est là, hein, justement. Donc les défis sont pas très durs, hein. Vous avez juste à finir certaines activités. Utiliser une fois une attaque ultime, et puis après attaquer 10 fois avec un héros bénéficiant d'un avantage élémentaire. Donc ça c'est pas trop galère. Et bon, terminer 10 fois en 2 jours c'est fait. Et puis après vous avez vos 2 diamants de récompense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans la boutique du shop? Il n'y a rien qui change. Alors je me suis trompé, c'est la boutique des trésors sacrés. Ah oui, la boutique des trésors sacrés. Heureusement j'ai vu la vidéo d'Eneo appeler. N'oubliez pas, pour récupérer bon, vous avez encore 21 jours je crois, un truc comme ça, pour récupérer avec les tickets d'été
les armes UR qui sont là, hein, vous avez une sélection, hein, tous ceux qui sont marqués Event, vous avez une sélection pour pouvoir les récupérer. Moi j'en ai récupéré bah, 8, hein, ceux qui m'intéressaient hein, concrètement. Qu'est-ce que nous avons donc dans la boutique de pièces, on a que dalle. Moi j'ai 26 pièces, donc moi je suis bien. Je pourrais avoir Miracilla qui va arriver normalement la semaine prochaine. Miracilla rouge. L'escalator rouge, donc 7 et 7, 14. Le galant, il est à 10, donc ça fait 24. Et je ne sais pas si le king est dedans. Je ne sais pas si le king est quenché. Le king rouge, qui est la bannière qui s'est terminée la semaine là. Je sais pas du tout s'il est coin de shop, mais de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut. Là, j'ai rien, et là, j'ai rien, puis voilà. Là, en popo, j'ai tout ce qu'il faut. De toute façon, j'ai de la réserve. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Tiens, c'est bizarre que je peux pas accéder à cette boutique-là. Bon, ça, c'est la boutique des diamants. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je réfléchis pour pas oublier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En événement, bah, ça va nous renvoyer directement ici. Bah, c'est tout ce qu'il y avait. Voilà. Honnêtement, voilà, c'est ce que je vous dis. C'est vraiment assez maigre hein, au niveau contenu. Hein, on n'a vraiment rien. Et on sait que de toute façon, le portail de la Diane a duré une semaine. Voilà, jusqu'au 21. Elle dure jusqu'au 21. Donc, je pense qu'on va peut-être arriver sur un nouveau step-up. Ne rêvez pas, la Derrieri rouge ni le Estarossa vert ne pourront jamais arriver en step-up. Mais ce sera sûrement du monde speed. Hein, sûrement le monde speed qui va arriver. Mais tout ce qui est Zeldris, Estarossa, Vert et puis Derrieri, ça sera du step-up. Et si c'est le Lost Vein, que je doute un petit peu, ça sera pas pour tout de suite. Hein. Le Lost Vein, de toute façon, il faudra compter au moins 900. Donc là, vous aurez un petit peu, comme on a eu, Attention, je sais plus à quelle Artemis, bannière, bientôt. vous allez avoir jusqu'à 900. Et il vous faudra au moins 900 pour être sûr de l'avoir au bout. 900. Donc 900, c'est quand même énormément de ressources. Je vous invite quand même à stacker pour pas passer à côté et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il va arriver le Lost Vein. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Moi je vais aller voir si le PVP s'est rechargé pour pouvoir en faire tout à l'heure. Et moi je vais me mettre après sur la version japonaise et je vais faire mon farm puisqu'il est 17h. Et c'est le reset pour la version japonaise pour pouvoir faire les activités. Qu'on nous demande. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo demain par rapport à cela. Oui, le PVP s'est rechargé. Impeccable. Donc, je pourrais le faire tout à l'heure. Voilà. Donc, le reset, c'est l'après-midi. Je ne savais même pas. Donc, ça se fait l'après-midi. C'est une bonne chose. Donc, voilà. Je vous laisse. Je vous dis bon après-midi. Bonne fin d'après-midi, puisqu'il est déjà 17h. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.